optimiste, c'est pas la plus dingue des missions qu'on ait eu à accomplir. Ah, des bips joyeux. BB-8, qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux des bips optimistes! Renseignons, commandant Damron. Je partage l'opinion du droïde. Merci pour vos encouragements, général. Bien, nous sommes à leur portée. Laissez-moi parler, d'accord? Thank you.
nouvelles informations, si ça vous intéresse encore. BB-8, qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux des bips optimistes! Entre nous, commandant Damron, je partage l'opinion du droïde. Merci pour vos encouragements, général. Bien, nous sommes à leur portée. Laissez-moi parler, d'accord? Allez, c'est parti. Hein? Oh, communiqué urgent, monsieur. D'un certain Poe Dameron de la flotte de la République. Oh, quelle ressemblance. Comment va votre mère, monsieur? Anéantissez-les! BB-8, mets les gaz! Ils foncent sur les cuirassés. Bien, je vais m'occuper de leur cadeau. Dali, amorcez votre approche. Bien reçu. Eh ben, on peut dire qu'ils se sont lâchés sur le nombre de canons, pas vrai? Ma mère ne ressemblant rien à ce dessin puéril que vous avez dessiné. Quoi? Pas assez blafarde pour être maman Hux? Pourtant, je l'ai dessiné sur une feuille blanche. Voilà la cavalerie! Tout le monde a rejoint la flotte. Nous n'attendons que les quelques derniers vaisseaux. Continuez. L'évacuation est presque terminée. Tenez un peu plus longtemps.
Évacuation terminée. Vous avez réussi, Po. Revenez ici avec votre équipe que nous puissions quitter les lieux. Non, Général, on peut le faire. On a une chance de détruire un cuirassé. J'ai dit décrocher maintenant. C'est un ordre. La connexion est mauvaise. Je dois y aller. Escadrille, préparez les bombes. Bombardier, restez en formation serrée. Les chasseurs, en couverture. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de détruire un cuirassé. Alors on se rate pas. Thank you.
mon vaisseau. Bien joué, l'ami. Finn qui perd les os, quoi? Finn, mon pote! Ça fait plaisir de te voir. Allez, qu'est-ce que... On va aller trouver quoi t'habiller. Viens. Où est-ce? Une chose à la fois, l'ami. Allons d'abord trouver de quoi t'habiller. On va te trouver une veste et un pantalon. On devrait pouvoir trouver ça par ici. Il doit bien y avoir quelque chose. Allez, viens, allons te chercher des vêtements qui ne fuient pas. Hein? Y a plus rien ici. Qui a tout pris? C'est fou, hein? Les gens ici ont la manie de se servir et de ne jamais remettre en place. Si vous cherchez un peu dans le vaisseau, je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui traîne. Il est écrit ici que la dernière veste a été récupérée par un certain P. Dameron. Ce nom ne me dit rien. Thank you.
La veste devrait être dans cette armoire là-bas. Tu sais quoi? Je crois que j'aurais pu tout simplement ouvrir la porte en fait. Enfin bref, j'ai jamais aimé cette armoire de toute façon. Maintenant, retournons à la cabine, que tu puisses te changer tranquillement. Bien, je suis habillé. Où on va maintenant? Ok. On doit se rendre sur le pont pour un débriefing. On t'expliquera là-bas tout ce que t'as raté. Hein? C'est le vaisseau de Snoke. Ils ont suivi notre trace en vitesse lumière. C'est impossible. Suivez mes ordres. Bon, qui commande maintenant? La vice-amirale Holdo est la suivante dans la chaîne de commandement. Merci, commandant. C'est quoi notre plan? Restez à vos postes et suivez mes ordres. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, juste quelques vérifications. Des vérifications sur des modules de sauvetage? Cette flotte est condamnée. Je dois prévenir mon amie Ray. Si elle revient, elle sera condamnée, elle aussi. Je vais vous dénoncer pour désertion. Je n'essayais pas de m'échapper. Je dois retrouver mon amie et l'avertir que ce vaisseau est condamné. On peut passer en vitesse lumière. Ils pourront nous suivre en vitesse lumière. Ils pourront nous suivre en vitesse lumière? Oui, et on est presque à court de carburant. Du traçage dynamique. Dans l'hyperespace, c'est une nouveauté. Mais le principe doit être le même. Donc seul leur vaisseau de commandement doit en être équipé. On doit aller parler à Po. Même si on réussissait à s'introduire dans le destroyer stellaire pour le désactiver, qui saura où se trouve la salle des disjoncteurs? Le type qui la nettoyait. Si je peux faire en sorte qu'on s'y introduise... Je pourrais désactiver leur traceur. Mais pourquoi verrouiller une porte avec des cibles? C'est le seul moyen de s'assurer que tout le monde s'entre. Le premier ordre ne suit notre trace que depuis l'un des destroyers, le principal. On doit aller le faire exploser? J'aime ta façon de penser, mais non. On monte à bord, on désactive le traceur. Notre flotte s'échappera avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Mais comment faire pour vous introduire tous les deux dans le cuirassé de Snoke? Trouvez le maître du décryptage. Vous le trouverez au casino de Canto Bight. C'est celui qui porte une fleur de plomb rouge à la chaponnière. Cette flotte n'a plus que 18 heures de carburant. On doit faire vite. Je serai là pour nous faire passer en vitesse lumière. Canto Bight. Sur Cantonica. Bien. Tu sais où ça se trouve? Oui. Allons chercher un module dans le hangar. Tu vas pas m'électrocuter cette fois, hein? C'est encore trop tôt pour en rire. Sûr qu'on peut se garer ici? Aucune importance. N'oublie pas,
Le maître du décryptage est celui qui porte une fleur de plume rouge. Ça doit être le genre de type qui fréquente des endroits chics comme celui là-haut.
même pas envie d'aller à cette fête privée. Une fleur de plume rouge, c'est tellement dépassé. J'ai essayé de persuader le garde de me laisser entrer dans la fête privée du craqueur de code. Mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Un Twi'lek, je crois. Un grand type avec des tentacules. On s'amuse et on joue ici. Enfin, jusqu'à ce qu'un perdant ne perde aussi son... Une fleur de plume rouge. Le maître du décryptage. Tenez, voilà les contrevenants. Vous deux, je vous arrête pour violation de la loi de stationnement 27. Un décrypteur pour nous décrypter l'accès au destroyer stellaire de Snoke. Je sais pas, à moins que t'aies un voleur dans ta poche.
Je peux le faire. Quoi ? Moi et les codes du premier ordre. C'est une longue histoire. Est-ce qu'il vient de... On arrive à ouvrir cette bouche d'égout, on pourra s'échapper par là. Le problème, c'est qu'on n'a pas nos grappins. Il va falloir qu'on aille les récupérer dans la salle des gardes. De faire la balle. L'alarme. Si on l'active, les gardes viendront voir ce qui se passe. Pas de doute, ça les fera sortir de leur salle. On déclenche l'alarme, Finn. Déclenche l'alarme. Les gardes vont être obligés de sortir. Hey, qu'est-ce que tu regardes ? Tu me laisserais pas sortir. Ok, il est quelque part ici. Super. On dirait que nos affaires sont gardées derrière ce champ de force. Il suffit de désactiver ce générateur, non ? On pourrait pas juste le détruire ? Qu'importe tant qu'on récupère nos affaires.
devoir mettre un poids pour garder cet interrupteur vers le bas. Tu vois quelque chose? On n'y arrivera pas à deux. Quelqu'un ou quelque chose doit aller sur cet interrupteur. Il doit y avoir quelque chose ici pour maintenir l'interrupteur abaissé. Tu as une idée? Ça a carrément marché. Même un petit peu trop. Regarde!
prisonniers. Pile ce qu'il nous fallait. Voilà ce qu'il nous fallait. Regarde, un grappin. On a assez passé de temps ici. Fiche en camp. Stoppez-les. Ces policiers vont arriver d'une minute à l'autre. Et maintenant ? Nous sommes de la résistance. Ils ont dû passer par là. Maître Skywalker,